Bonjour, 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 bande d'affreux, bonjour les amis, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme. Je profite de mon jour de repos pour faire un petit live tranquillou d'après-midi sur Guild Wars 2. Donc bien évidemment, comme la dernière fois, ceux qui souhaitent participer en jeu aux différentes activités, il n'y a pas de souci, dites-le moi, je vous invite et on se fera des trucs entre adultes consentants. Bonjour Mimi, bonjour Ago. Et puis bonjour aux prochains, aux autres, qui ne se manifestent pas car ils sont timides. Comment allez-vous les amis? Alors, j'ai eu mon coffre de loyauté. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà là-dedans? Je propose les meilleurs prix dans le coin. Salut Baderas, comment tu vas? Nous avons des matériaux d'artisanat élevés, nous avons des artisanats légendaires, nous avons des lauriers, des expériences. Donc, plutôt artisanat légendaire quand même. Je vous dois la vie. Éclat d'obsidienne et des trèfles, nous n'ont rien à foutre, on va prendre ça. Savourez l'instant présent. Excelsior. J'ai des sales bugs sur Twitch ces temps-ci, c'est lourd. Ah. Vous êtes combien à avoir des coupures Twitch? Dans ce cas-là, je peux essayer de baisser la qualité, si ça vous dérange. Cherchez et vous trouverez. Oh. Trop tard, hein, j'ai pris les items de craft. Plus de violette, moins de violence. J'ai vu votre visage dans mon... Fatigué, levé depuis 5 heures, enfant malade. Ah oui, ça craint un peu. Bon courage. Savourez l'instant présent. Vangos, aucun souci de mon côté. Bonjour Vangos et bienvenue. Bon les gars, qu'est-ce qu'on se fait? Moi je voulais faire un peu genre des fractales. Sachant que je suis très mauvais sur les fractales, j'en ai presque jamais fait. Je dois être niveau 3 fractal. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est l'occasion. Salut Thierry, comment tu vas l'ami? Bon, j'essaie de descendre le bitrate alors, s'il y a des coupures chez vous, bougez pas, j'arrive. Voilà, j'ai redescendu un petit peu. Attendez 5 minutes que ça se mettre en forme, on va dire. Alors, le souci, Kaz, c'est qu'on peut pas descendre la qualité vidéo de ton stream, c'est fixé. Oui, je sais bien, c'est ça, Mimi, le problème avec Twitch, c'est que il faut être partenaire pour que les autres personnes puissent régler la qualité du stream. Donc, on va faire en sorte que tout le monde puisse suivre, même si la qualité sera moindre. Donc là, j'ai baissé, je suis maintenant à 1500 MO par seconde en bitrate. Vous me dites si vous avez encore des coupures, si on rencontre des coupures ou pas. Et j'adapterai en fonction. Hein. Mieux vaut que ça soit un peu dégueu, mais qu'on puisse discuter ensemble. Et c'est plus sympa que ça coupe pour la majorité des gens. Donc on laisse 2 minutes la tournée et vous me dites, les gars. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la mise à jour. La mise à jour Guild Wars 2 là. Non, elle a pas eu la mise à jour, la mage, les amis, s'il vous plaît. Sentez la fureur. Oh, c'est pour ce soir, non, la mage. Avec le. Avec le. Comment ça s'appelle? Le glider, etc. en ville. 16 h, je serai sur Crowfall par contre, Kaz. Ah bah, écoute, l'occasion, j'espère que tu nous feras un petit stream. Crowfall, ça, moi je l'attends en tout cas. C'est ce soir la mage, ok, 19 h, c'est ça les gars?
Ça représente. Ok, donc Agorelia n'a plus de coupure. Les autres, les amis, j'ai besoin de vos retours. Qui a des coupures? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat qui a des coupures? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des coupures et qui n'entendent donc pas ce que je dis. Je me réapprovisionne. Thierry, c'est pareil. Badera, c'est pareil. Salut Retrolove. Bah tiens, encore un sacré qui est là, Retrolove, qui est revenu sur Twitch après une grosse période Hitbox. Hitbox qui est quand même une super plateforme, mais malheureusement manque de visibilité, je pense que c'est là. C'est pour ça que tu reviens sur Twitch, mon cher Retro. Ça va, Mimi, ça va, Rétro, pardon, très bien, ça va, tranquille, c'est mon jour de repos, donc je suis en mode newbass, en mode noob sur Guild Wars 2, peut-être un peu faire des fractales. Et merci à Gorilla pour ce don de 5 euros, parfait, écoute, tu nous fais bien commencer là l'après-midi, ravi de ce don, mon cher ami. Donc les amis, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour des fractales? Sachant que je suis fractal niveau 3, donc je ne connais pas. Voilà, j'ai dû en faire une dizaine depuis que c'est sorti, donc j'en fais jamais. Ça peut être l'occasion de m'aider, parce que je suis mauvais. Et un kebab pour Kaz, GG, c'est tout à fait ça. Pour la petite histoire, j'avais installé Wakfu, sur lequel je joue actuellement, que j'aime beaucoup Wakfu, hein. C'est un bon jeu franchement. Et j'ai aussi installé Lineage 2, la version Infinite Odyssey, qui est donc la version free-to-play, hein, européenne. Je me disais, est-ce que je vais streamer du Lineage 2 ou du Guild Wars 2? Je préfère stream de Guild Wars 2 parce qu'on peut se retrouver, c'est plus sympa, ça parle à plus de monde. Je te choisis. J'ai une oreille sur ton stream, l'autre dans les cours. Ok, y a pas de souci. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas des donjons ou quoi. Je vais rejoindre un groupe tranquillement. On va faire quelques runs, quelques donjons, soit du fractal ou des autres donjons. On est là pour essayer de faire des sous, hein, pour faire quelques runs et faire des sous, tout simplement. Farmer. Oui, j'aime ce mot. Farm. Speedrun P3, All Weekend 35+, Manoir de Codecus, qu'est-ce qu'on... On n'a rien. Tonnelle du Crépuscule, aucun groupe, Lamentation, Histoire, Citadelle de Flamme. J'ai lancé d'hostilité, j'ai cru comprendre qu'il y a ta jarretière à gagner aujourd'hui. Vous êtes en forme les amis, c'est beau à voir, ça me fait plaisir. Alors, P1 en Citadel la Flamme, Vango, si tu as besoin d'un coup de main pour les fractales, je suis dispo. Ouais, bah écoute, Vango, c'est peut-être plus tard, parce que finalement, il n'y a pas grand monde dans les recherches des groupes fractales, donc vu que je suis que niveau 3, je voudrais pas t'imposer ça. Par contre, on va partir en donjon, plutôt, déjà, pour commencer, donjon standard. Tiens, allez, honneur des vagues, tous les chemins, c'est parti. Je rejoins un groupe, on va les rejoindre, on va voir ce que ça donne. Il reste une place, si quelqu'un veut me MP maintenant tout de suite, je vais essayer de l'inviter. Alors pareil, honneur des vagues, j'ai tellement peu fait, j'ai dû faire la story une fois ou deux. Laisse tomber Case, depuis les nerfs. Le nerf des sous-sons donjons, les groupes sont devenus rares. Madame va pas être contente que tu lui voles ses vêtements, mon Case. J'ai pas besoin de voler les vêtements de ma femme pour avoir un débat, hein. Je me les achète moi-même. Ben voilà, Agorelia, c'est ce qu'il dit. Allez, on va changer un peu de but quand même.
La force vitale, la réanimation, le puits de souffrance, calamité. Foutre le golem plutôt. Ah, on est en train de faire le mode scénario là, c'est quoi cette arnaque? Tu verrais ce cul qu'il a dans sa robe moulbure magnifique. Et vous êtes en forme hein, vous faites peur. Enfin moi vous me faites peur. En avant, serviteur. Donc c'est quoi cette histoire de nerf C'est quoi cette histoire de nerf les amis de donjon là. J'ai en bonne histoire en fait. C'est terrible. C'est super nul sur le Game Engine, c'est comme s'il avait pas vu depuis 3 ans. Donc oui, là je suis en mode histoire, c'est ça? Cliquez-moi. Je me sens bien. Venez, rassemble-moi votre champ de haine. Bon, on est que 3, hein, les autres. Ils ont des trucs. Au fait, j'ai merdé sur mon annonce casse pour Noël, normalement t'es pas concerné, à moins que tu te fasses vraiment chier. Oui, sur Facebook j'ai vu. C'est surtout qu'on est pas trop dans mon temps, j'ai pris l'invitation quand même. J'ai quand même pris l'invitation, mais je pense que ça va être un peu. Alors. C'était pas bien nouveau, ce qui les récompense des donjons au TNR. Bah des donjons rapportés des PO et maintenant par exemple, un site APR c'est 35 pièces d'argent contre 1. Bon, on est en train de faire l'histoire, tout le monde est en train de mourir, donc on va se barrer ici. Et on est en train de faire l'histoire, bon je vais me barrer, c'est pas la peine que je reste ici, on perd du temps. Je me réapprovisionne. Oui, on va se barrer d'ici. Allez hop. T'as lancé les stories en fait, Casbaby. Ok, d'accord. Bougez pas, les amis. J'ai baissé le son du jeu rapidement. Ok, va falloir revoir ça en combat, vous me redirez les amis, s'il vous plaît. Alors. En fait, c'est moi qui ai lancé le mauvais... c'est moi le boulet qui ai lancé le mauvais truc, en plus. C'est pas beau. C'est pas beau, ouais. Allez, on rejoint Creuset de l'éternité, chemin 2, on va voir ce que ça va donner. Je sais même plus où c'est le Creuset de l'éternité, donc ça commence très bien. Ara, Creuset de l'éternité, allez hop. On va se refaire des petits donjons. Guild Wars 2, un des rares MMO où j'ai pris du plaisir à y jouer, dommage que j'ai perdu mon compte après un hack. Ah. C'est vrai que ça craint un peu cette histoire, mon cher Ago. Donc vous me direz pour le son, vous hésitez pas. Ah, ils ont dit quoi? Ils ont dit P2? De toute façon, je vais suivre le mouvement. Mec, en consolation, j'ai été remboursé du jeu. Ah, t'as quand même été remboursé, ils ont été...
ils ont été corrects sur le coup, parce que je c'est pourrais pas... semer un centaure. Pas okay, tout le monde qui fait ça. Plus vite on condamnera cet endroit, mieux ce sera. Alors... on va faire le boulet. Moi je pense c'est souvent Guild Wars 1 premier niveau qui me manque, franchement. C'est pas vous si vous y avez joué. Des fois j'ai envie d'y jouer. Limite faire un stream sur Guild Wars 1, vous voyez. Puis de mettre la diffusion sur YouTube. Oui, comme nous dit Mimi, hein, au pire c'est jouable en compte gratos, mais pas avec le même confort de jeu. Ils ont vu que les logs IP venaient de la Corée et mon perso aurait servi à vendre des golds. J'étais en vacances à ce moment-là. Ah, ils ont quand même été très très corrects de te rembourser, de faire l'effort, de vérifier que ce soit bien un hack et pas toi qui a fait le con à rendre des gueules, je sais pas. Mais c'est bien, ils ont été corrects. Hein. Les amis, pour le son, que c'est good. Parlant du PVP, il y a eu pas mal de nouveautés hein, depuis quelques mois. Hein. L'arrivée des leaks PVP, ça, c'est pas mal. Je sais pas si Retro est encore là, mais Retro est encore là, mais c'est quand même un gros joueur PVP. J'ai pas trop suivi ses derniers lives. Je sais pas si certains d'entre vous sont passés un peu le voir ce qu'il faisait dernièrement. Mais c'est vrai que Retro est un gros joueur PVP. Alors je sais pas s'il est encore sur Guild Wars 2 ou s'il a changé de jeu. Je sais qu'il est pas. Il est sur Smite aussi de temps en temps. Reculer et admirer. J'appuie sur un bouton et je vais peut-être actionner un levier. Attention. Protocole de sécurité engagé. Mais c'est le son du jeu encore. Je peux dire au revoir à mon plan de sortie. Bon. Il existe okay. Trois plans du... J'ai modifié un petit peu, légèrement, vous me redirez les petits bouchons. Alors, P2. D'accord, espérons que ce labo soit toujours opérationnel. Rétro en stream à partir de 15h. Vous savez ce qui stream ou pas à 15h rétro? Le sujet alpha. Ils vont devoir frapper plus fort. Bobos de merde, c'est encore. Et bah bonne épopée à go. L'homme en robe. S'il vous plaît, arrêtez de dire des bêtises, les amis. Les gens vont y croire.
phase finale active. Bah attendez-moi, merde. Oh, c'est pas possible, ça. Alors en parlant MMO, les petits bouchons, si vous voulez tout savoir, j'ai relancé un peu Arcage. Et c'est vrai que le MMO est bien, mais bon. Ça me fait chier de m'investir encore à nouveau dans le jeu. Ce sont de simples mesures de sécurité. Qui nous arnaque un peu. On va pas sur Twitter alors, Kaz. Je t'ai peut-être identifié sur un truc. Ah, ça y est, l'enfoiré il commence à me pourrir déjà. Bah écoute, je peux pas de toute façon, mais je regarderai ça après le stream avec plaisir. Mais pour ce qui est de se foutre de ma gueule, je te fais confiance. Sortez la fureur. Ah, si on est tous aussi mauvais que moi, ça va être compliqué. Ah, c'est bon, il y en a déjà deux qui sont passés. Ils vont nous l'ouvrir. Un petit décompte, les amis. Ou pas. Bah voilà. L'ont-ils payé au mot? Retro Love, Star Wars Battlefront à partir de 15h et Smite à 20h. C'est écrit sur ce pas. Et Retro est au taf. Ah, Battlefront. Je n'entends même pas le beau membre vocal de K. C'est dommage pour toi. Ah oui, Battlefront c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous avez joué vous. Moi j'ai bien aimé, mais après j'ai installé Rainbow Six Siege, et je préfère jouer Rainbow Six Siege. C'est autre chose, hein. C'est vrai que dans Battlefront, ce qui est assez excellent tout de même, c'est l'univers Star Wars qui est vachement bien retranscrit, on s'y croirait quoi, on se croirait en pleine bataille. Extrêmement bien fait, c'est extrêmement prenant, mais malheureusement c'était un peu fourreux. Ah ouais. Si j'ai un bel organe vocal, merci du compliment, Mimi. C'est toujours ça de prix. Restez près de moi. Il faut faire. Alors d'ailleurs, il y aura une vidéo qui sortira demain midi, mercredi, comme tous les mercredis actuellement. Et là, je suis en train d'essayer de vous de me rechoper un accès pour la bêta de Black Desert Online, tout simplement pour vous faire des lives hein, lors de la bêta de ce MMO BDO Black Desert Online, qui, en tout cas moi, m'intéresse fortement, m'interpelle. Et j'espère que ça sera une des bonnes surprises de cette année 2016. Le beau membre vocal de Pain Senpai. Bonne nuit, bonne nuit. Donc c'est bon la leçon les gars. Et Kaz va nous sortir un top 10 de ses top 10. Moi je vais finir comme ça oui un jour.
Et sinon, est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à Blade and Soul? Parce que bon, Blade and Soul, j'y ai joué une bonne semaine, on va dire. Le jeu est sympa, le jeu permet de passer du temps. Mais de là à s'investir à long terme, franchement non, donc moi je l'ai déjà installé. Après, s'il y en a qui jouent, ça me dérange pas. C'est pas bon, je ne vais pas vous blâmer. Là, c'est bon, continue. Fais du loot, que dalle. Il faut accéder au niveau supérieur. Je suis vise à commettre une petite vidéo de ses impressions sur la première bêta. Intéressant à écouter. Ah, bah écoute, ça c'est pas mal. Baderas qui nous dit... Bédo ne m'intéresse pas pour moi du monde. BNS qui nous dit... Que Mimi qui nous dit que BNS c'est trop coréen. Ça c'est vrai. Ah, salut Gataga, comment tu vas mon ami? Tiens. Le fier, l'unique Lugataga. Fidèle parmi les fidèles. Plaisir de te voir ici, mon ami. Salut, Exil! Exil nous dit qu'il joue à BNS mais qu'il commence à se lasser. Ouais bah oui, bah je peux comprendre. Hein. Ouais, il y a plein de choses qui me dérangent dans BNS, c'est que t'es vraiment pensé pour le free to play, c'est-à-dire qu'il y a plein de limitations. Voilà, au lieu de looter directement une arme, tu lootes un coffre. Pour ouvrir ton coffre, il faut une clé. Une fois que t'as ouvert ton coffre, t'as l'arme, mais il faut l'identifier. Donc il faut un parchemin. Enfin, c'est que des conneries comme ça. Vous êtes limité à 10 ventes par jour à l'hôtel des ventes. Qui fait que vous retrouvez vite avec votre sac plein de merde en tout genre à vendre, mais vous pouvez pas vendre. C'est que des trucs comme ça et ça, je trouve ça très chiant. Et puis je trouve que le gameplay, bah, il est sympa, il est dynamique, mais je sais pas, c'est mal optimisé, ça lag dans les donjons, c'est pas clair, c'est pas clair dans les combats. Donc bon, l'intérêt, du moins le PVE, l'intérêt c'est moyen. Après, ce qui est très bien, ce que je trouve très bien par contre, c'est le concept de duel, hein, le duel PVP. Ça c'est vraiment sympa avec bah, une code personnelle, etc. C'est vraiment classe. Allez, tuer Alpha, je vais essayer de dire un petit peu ce que vous mettez quand même. Vous allez bien? Mais oui, on va bien, Yugataga. La forme. La feuille, je suis la patasse. Je parlais de la bêta Black Desert par rapport à H8. Oui, BDO, j'ai pas compris. H8. Je sais pas ce qu'il fait comme vidéo actuellement H8, parce que il y a une époque du Guild Wars 2, mais je crois qu'il fait plus des lags maintenant, hein, vraiment. Alors, que nous dit Thierry? Moi perso, je regarde le graphisme du jeu, etc. Je pourrais pleinement arriver. Je pourrais pleinement arriver à faire un. On ne peut pas MP sur Guild Wars 2 sans l'extension? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. T'as peut-être pas mon nom exact si t'essaies de me MP moi-même. Ah oui, bah, Darius, très bonne réponse. On ne peut pas MP en version gratuite. Pour éviter les gold sellers. La chute entre Guild Wars 2, BNS et BDO, a priori. Et Exit qui est d'accord avec moi. Et qui attend donc BDO. Moi, il y a deux jeux là qui vont sortir et on devrait voir arriver bientôt et qui vraiment retiennent mon attention. C'est BDO, voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner, et The Division, aussi, The Division qui promet un peu d'une nouvelle expérience en ligne, The Division qui sort en début mars hein, 2016, pardon,
Et tant qu'on y est, je vais faire mon petit rappel sur les liens disponibles sur la chaîne de Vincent Gaming. Et sur Vincent Gaming, vous pouvez déjà le précommander à 31€ 60€. Ça pourrait être intéressant. Attention, je vais mourir. Attention, tout le monde est en train de mourir. Allez, on va essayer de remonter les poteaux. Je me réapprovisionne. Ça c'est bon. On va pouvoir les remonter, Allez, on crame ce boss là, il y a encore un type au sol, je sais pas où il est. C'est bon. C'est pas mal là. Ah, il y en a un seul, on va le remonter. C'est le boss qui fait mal là, quand même. On lui cale toutes les altées. Au bout d'un moment, ça va tomber. Allez, il doit être à 15%. On va le finir. L'enveloppe évolue. Collègue au sol. C'est bon. Excusez-moi pour le chat, hein, je suis pas trop actif, mais là c'est un peu le moment critique, faut pas se rater quand même. Bien que Guild Wars soit pas un jeu hardcore BVE. Trouvez le labo de téléportation. Ça brille. Alors, acheter sur IG pour enrichir Papa Kaz. Ah, c'est pas non plus pour le fait de gratter quelques pourcentage de commission, c'est surtout le fait qu'il y a... Je pourrais semer un centaure. Instant Gaming, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est quand même le site de référence, c'est stable, c'est pas... Il n'y a pas d'arnaque sur ce jeu, sur ce site, pardon. Vous avez un large choix et des très très bons prix. Et voilà, vous achetez votre jeu et vous l'avez tout de suite, quoi. Vous avez la clé directement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arnaque, ça marche. Et ça, c'est intéressant. C'est pas comme les G2A ou toutes ces conneries un peu bancales. Qui frôle l'illégalité souvent en vendant des objets qui n'ont pas le droit de vendre, comme les accès bêta, c'est ça. On ne vend pas des accès bêta normalement. Et c'est pour ça que j'ai choisi Instant Gaming comme partenaire de ma chaîne. Thierry, j'enrichis sur case avec plaisir. Mon dieu, vous êtes vraiment des monstres des fois. J'enrichis, mon dieu. Au secours. Au secours à l'aide. Bon, on va fumer le sujet alpha là. Ou pas. Ah, les AOE de merde, hein. C'est terrible. Allez, hop là. C'est moche ce fail. Je me demande combien t'as pu toucher sur mon dernier achat, 5€. C'était quoi, Badéras? Tiens, je vais regarder si tu veux une réponse concrète. Allez, un des ongles de fait, c'était l'échauffement. Borderlands Game of the Year Edition. Et bah, je vais regarder.
Eh ben, je vois pas. Comme ça, au moins, on est fixé, ma poule. Je pense que j'aurais dû rien toucher parce que c'était pas assez, si tu veux une réponse. Alors, on va quitter le groupe, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Allez, on va rejoindre un fractal 1. Le fractal des mauvais. J'espère que j'ai bien acheté en passant par ton lien. Bah, j'ai pas vu, en tout cas. Mais bref, c'est pas bien grave, t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas, bah, dira, je ne t'en veux pas. Je te pardonne. Allez, fractal 1, eh oui. Parce que je suis trop bon. Po-po-po-po-po! Quand j'avais pris Mad Max, ça avait fonctionné. Oui, il me semble que oui, hein, tu me l'avais dit en plus. J'avais regardé, oui. Alors, fractal les amis, alors là, c'est là que je vais vous demander à tous... d'être aware, parce que moi les fractales je ne connais guère bien. Là on est sur la map qui s'appelle, comment ça s'appelle ce truc s'il vous plaît, fractal du champ de bataille urbain, c'est ça, c'est juste à lire. Ça commence, qu'on est déjà en train de se faire ouvrir comme des merdes. Allez, on a eu du Luffy. Donc les amis, s'il y en a qui veulent faire fractal niveau 2 après, n'hésitez pas à me MP, on se fait un petit groupe. Je cherche des gens pour m'initier au fractal tranquillou. Et pour Rage aussi je crois, donc ça doit pas être ma faute. Et d'ailleurs, est-ce que tu... Donc Rage et Mad Max, est-ce que tu t'es amusé dessus ou pas? Mugataga, Silonka, Squad 9, ton déménagement s'est bien passé, ça fait longtemps que j'ai pas pris tes nouvelles avec mes vacances et tout ça. Bah écoutez, le déménagement et l'emménagement très bien. Enfin chez soi, comme tu le vois avec internet, hein, donc c'est le principal. On commence à racheter un petit peu de mobilier tranquillement, bon il y a encore plein de cartons de partout, c'est pas grave, hein, ça fait le charme des nouveaux logements. Et ben sinon bah c'est toujours pareil, hein, le boulot et puis aussi la formation en même temps, ce qui prend pas mal de temps. C'est pour ça que le format des vidéos a un petit peu changé. J'ai pas envie d'abandonner les vidéos sur YouTube, donc je fais un peu un autre format que les let's play qui prenaient beaucoup de temps. Et puis voilà quoi, et toi qu'est-ce que tu deviens Yogataga? Donc quand t'as eu tes vacances, t'as eu tout ça, c'est beau, moi aussi j'ai envie d'avoir des vacances. D'ailleurs la vacance c'était une semaine en août, ça commence à être vieux. Bien sûr, Valeras, deux excellents jeux. Retrolove, je dois vous laisser. Retrolove, bisous. Bon live, Retro, si tu vas prochainement. Bonne fin de journée, la vie. J'espère à bientôt en jeu, pourquoi pas. Allez, Valeras, le copain. Alors, t'es toujours sur ta guilde case de Guild Wars 2. Bah, je suis sur la guilde de... Comment ça s'appelle ? Azirus, autre youtubeur qui fait des guides sur Guild Wars 2.
J'avais rencontré RL plusieurs fois. Donc je représente cette liste Novus Society. Si jamais tu veux des infos sur la guilde, tu veux la rejoindre, je t'enverrai un lien avec le forum où il faut se présenter. Bon, je vais suivre l'autre, les autres. Hein, parce que là... Oh, attention, ça part en couille. Bah Deras qui me dit les cartons c'est une jolie déco. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça fait une jolie déco. Il faut prendre ça comme ça. Ah, si je me souviens bien, Retro fait aussi du Elite and Dungeons. Ça peut plaire à toi, Mimi. Bon, je t'avoue que j'avais téléchargé, j'ai toujours pas essayé. Hein. Enfin, faut que je trouve le moment où je serai open, zen, pour l'essayer tranquillement. Ça pique. Il suffit d'avoir des cartons de plusieurs couleurs. Et c'est pas con, tu devrais monter une entreprise de cartons déménagement de plusieurs couleurs pour égayer les déménagements. Ça peut faire un. Ça peut faire un carton. Mais excusez-moi. Bon, il y a quand même un mec hors ligne dans le groupe. Ça aide pas. Il veut des clichons parce que il vient pas hein. Dadlag. Je le sais bien, je suis même dans son groupe privé sur Elite Dangerous. On peut être dans plusieurs groupes, un peu comme les multi-guilds sur Guild Wars 2. Pourquoi on veut m'exclure? Are you retarded? C'est moi qu'on va exclure. Ah, il veut m'exclure l'autre hein, maintenant. Pourquoi je ne sais pas. Kaz, les marques de ton bâton ne sont pas efficaces sur les armes de siège et autres objets du joueur mob à terre. Oui, c'est pour ça que j'utilise pas des marques sur les objets de chaise, mais le sceptre d'Aigle, là par contre ça marche. Ça marche bien. Essayez d'arrêter de vouloir m'exclure l'autre d'un boulet là. Et salut tout le monde. Et salut Bloody Rum. Oh Bloody Rum, ça fait un petit like, je sais pas vu mon ami. Bienvenue à toi, fais comme chez toi, mets-toi à l'aise, tranquille, à la pêche. Je t'ai vu imposer, vile menteur. C'était pour anticiper le pop des mobs. Bon, moi tout ce que je dis c'est quand même on a un type qui n'est pas là. J'ai voulu exclure et maintenant il m'exclure moi. Alors déjà dit. Bon, en ce temps là il sert à rien l'autre. Hein. Merde. Merde à la fin hein.
pas à t'exciter l'autre dans le chat. Mais c'est ça, t'as peut-être voté contre un guildmate des autres PU. Enfin, il s'excite quand même, hein. on l'a pas viré, hein. Parce que vous pouvez s'exciter comme ça. Je croyais que les ténueux et les nerveux, il y en avait sur WoW, ben, finalement non, il y en a partout, là on va mourir. Oui, des scénarides. On a un homme au sol, mais complètement mort. Ah, là-bas. Ça va être compliqué, mais on peut essayer. Mais c'est moi qui vais mourir. Oh, en plus, c'est l'autre connard qui essaie de m'expulser que j'ai... J'ai revivifié, revived. Bon bref, je suis au-dessus de tout ça, les amis. Alors, je suis bon, généreux. Je ne suis qu'amour. Allez, on finit le capitaine HM. Allez, blaireau, lève-toi. Fractal stabilisé, venez retourner au laboratoire. Alors, clé d'encodage fractal. Cette clé décode un encodage fractal contenant un objet bonus des fractales. Vous pouvez trouver des exemplaires fractales dans un coffre finaux. Ça à quoi, j'ai pas compris. Ah, je vous jure, hein. Faut les supporter, les boulets comme moi. Il y a de l'ambiance en chat group, ouais, tu m'étonnes. Du coup, Cas, comment puis-je te contacter en jeu? Bah, tu peux pas. Voilà, en guide ou en groupe. Ça représente quoi, cette sculpture, juste? Les lueurs sont des yeux. Arrêtez de me faire marcher. À ouvrir des coffres nommés encodage fractal. Et ces coffres se trouvent que dans les fractales, j'imagine, mais encore en fin de niveau, n'importe où dans le niveau. Ah oui, d'accord, c'est un coffre que tu as dans ton inventaire. Merci, je viens de voir ça. Et on loot de la merde. Excellent. Excellent, on loot de la merde, c'est cool. D'accord, merci pour les infos. Toujours plus de gemmes. Ça apporte des sous, c'est pas de la merde. Ah, ça vaut rien les infusions, ouais. C'est une honte. Allez, on va vendre mes petites merdes là. Vends pas tout ça. Oh. Pourquoi? Nous sommes heureux de vous accueillir. Ouvre tes sacs et recycle les items. Tu auras plus de compos qui se vendent au final. Ouais, mais ça fait chier parce que ça me bouffe mon nécessaire de recyclage. Et des compos, ça vaut rien. J'ai l'impression que j'ai mon double clic gauche qui est en train de merder, ça me dérange.
Si les prix ont bougé avec cocheté entre les légendaires et les halls de guild, plus la recette des élevés qui a légèrement changé, un recyclage mystique de 150 charges, ça fait l'affaire. Il est beau, il est grand, il est fort. Badairas. Allez, déposer tous les matériaux. J'ai effectivement mon kill gauche qui mouline dans la patate, dans la purée. Donc je profite de ce petit temps mort les amis pour vous rappeler qu'il y a le Facebook, le Twitter, le YouTube. N'hésitez pas pour ceux qui ne le sont pas encore à suivre la chaîne Twitch. Un petit cœur en bas à gauche pour vous poursuivre la chaîne. Ce qui vous permet de voir quand je suis en live. Vous pouvez venir participer, discuter, il n'y a pas de souci. On est très là entre amis. Et puis quoi d'autre, c'est déjà pas mal. Si bonne vous voulez chance. Soutenir la chaîne, il y a la possibilité de faire des dons. En cliquant sur le petit bouton des dons, juste là. Nous sommes heureux. Et bienvenue à Bob Lol 77, bienvenue à toi l'ami. Fais comme chez toi, pas de soucis. À l'aise, à la fraîche, tranquillou. Est-ce qu'il y a des gens pour les Fractal 2 les amis, c'est maintenant ou jamais? Je sais que Fractal 2 ça fait pas rêver, mais ça peut être sympa. Avec, avec moi, hein. Fractal 3, tiens, qui est dispo. On va rejoindre, il reste une place. Tu peux faire clic droit pour tout consommer d'un coup. Ah, merci Badass, je ne savais pas. Badass is badass. Vous avez achevé mon pseudo. C'est tout à fait ça, désolé. Hein. Allez, hop. Niveau quoi? Niveau 3? C'est ça, ça laisse rêveur. Blow the crew. Oh, Kaz, comment ça fait super longtemps? Je te suivais il y a 2 ans, j'avais arrêté, puis j'ai recommencé Guild Wars 2 depuis septembre. Et bienvenue, Blow the crew. Avec plaisir de te voir ici. Oui, que tu aies arrêté et revenu. N'hésite pas à suivre la chaîne, je sais pas si tu le fais déjà. Et content de voir des gens comme ça qui, même après un gros temps d'arrêt ou d'attente, de pause, reviennent et discutent avec nous tous. Le jeu, le game. Wars 2, tout ça, tout ça. Et du coup, t'as fait quoi, Blow the Crew, pendant 2 ans d'arrêt de Guild Wars 2? En même temps, Kaz, il parle pas la France. Bah, c'est pas ça, c'est que... À force de parler, j'ai ma langue qui s'en mêle. Et comme je suis... Je vais pas vous le cacher. Comme je bois de la bière en même temps... bonne bière de Belgique. Bon, ça fatigue un peu, observe. J'ai peut-être un petit peu moins alerte, comme on dit. Ah, j'aime pas ce fractal, c'est... On se fait transformer en dauphin, là, comme des cons. Va pas falloir faire les foufous. Mimi, qui nous dit, salut, bro the crew. Kaz ne joue pas que sur Guild Wars 2. A voir sur sa chaîne, il faut découvrir pas mal d'autres jeux de rousse. Merci Mimi pour l'accueil des nouveaux ou des anciens, parce que Bob, non, Bro, pardon, Bro the Crew est aussi un ancien finalement. Hey, quelques petits jeux par-ci par-là, Monster Hunter principalement. Ah oui, d'accord, mais tu joues à Monster Hunter du coup sur console, parce que Monster Hunter PC pour moi c'est Monster Hunter Online qui n'est pas sorti, qui est dispo chez les Chinois, je crois, ou les Coréens, ou les Japonais, bref, chez les Asiates.
En tout cas, Monster Hunter, moi, une licence que j'aime beaucoup, que j'avais découvert sur PSP. Je m'étais surpris à passer énormément de temps sur ma PSP à jouer à Monster Hunter. Ouais, t'as la bière qui s'en mêle surtout. Et c'est ça, Badéras. Tout à fait, t'as tout compris. Ah, c'est moche ma jupe là, vous avez vu par le dessous là, ça fait pas beau. Je pourrais ben. Semer un centaure. Ah, on est dans le noir. Ça a changé ce fractal, c'était pas comme ça avant. À l'aide! Je comprends pas ce que je fais, à l'aide! Quelqu'un va m'expliquer comment ça se passe ce nouveau fractal? Enfin, ce nouveau qui n'est pas un nouveau, mais qui a changé, parce qu'avant c'était juste un petit dauphin. Ça fait plaisir de voir des fans de Monster Hunter ici. Ne me remercie pas de t'avoir mis John Cena en tête. Pam 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 pam! Pam pam pam. Jesus. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Drago 1, je débute. Quelle classe? Eh bien, mais chaque race a différence. Alors attends. Oh, t'inquiète pas ma poule. Je vois que tu t'énerves. Putain, ta race des machins. Ouais. Je pourrais semer un centaure. Ok, donc on se fait bouffer la gueule quand on est dans le noir. Voilà, Drago, la race, c'est vraiment une question de skin, hein, contrairement à d'autres jeux. Ah, il y a toujours eu deux chemins possibles sur ce fractal. Bah dis donc, putain, j'apprends des trucs. C'est terrible. Allez, cours, tête de bite. En fait, c'est moi le seul boulet que tout le monde attend, je crois. Oui, c'est ça, c'est moi le seul boulet que tout le monde attend. Oui, voilà, il n'y a pas de race, vraiment, les races, c'est vraiment l'histoire. C'est surtout pour l'histoire personnelle. Que tu joues, quelle que soit ta race, tu choisis ensuite une classe qui est indépendante de chaque classe. Mais. Toutes les races ont une histoire personnelle qui leur sont dédiées. Die and respawn. Oui, bon, bah si on meurt et qu'on respawn, on va respawn sur tout le monde. Quelqu'un veut expliquer ce putain de chemin de merde là? Hein? Parce que j'ai pas envie de faire l'effort de réfléchir. C'est surtout ça. En fait, tu dois nager de plante en plante. Et en équiper une pour te protéger du malus que tu mets l'obscurité. D'accord. Donc je suis obligé de ramasser ce qu'il y a dans les plantes à chaque fois. C'est pour ça qu'à un moment je suis mort comme une merde. Bienvenue sur le stream de Boulemania. Quel enculé celui-là. Exil, bon allez, salut, faut que j'aille, sinon je travaillerai jamais. Et bah bon courage Exil, à la prochaine. Et bisous partout, comme on dit chez nous. Allez, le boss de la méduse monstrueuse.
bien là aussi tout dépend de ce que tu aimes jouer, sachant que chaque compétition est assez couteau suisse, versatile avec des thèmes très différents. Tout à fait, tu peux tout faire avec une profession, y a pas, t'es pas limité par une trinité. Sinon t'attends qu'un mec ait fini et tu t'es TP comme tu l'as fait. Oui, oui, c'est, ça aussi j'aime bien faire. Comme ça. Hey, salut Night Demon, bienvenue l'ami, comment tu vas, mon cher Night Demon? La forme, la pêche, la patate, la banane? Moi aussi je t'aime fort, Kaz. Allez, on va juste relancer un petit tweet quand même. Allez hop, Fractal 4, attention. Oh, tout le monde se barre? Oh bah merde, c'est cool. Drago 1, regarde sur le site du LBM, le bus magique pour les races. Tu auras tout ce qu'il faut savoir. Je compte commencer le jeu, nous dit Stacy Abou. Mais j'ai l'impression, contrairement à l'ancien Gears, que les compétences ont l'air très limitées. Non, non Stacy, non, pas du tout, elles sont pas très limitées. Tu as tes compétences que tu peux choisir et tu as des compétences liées à ton arme, sachant que tu peux switcher d'arme. En plus, maintenant tu as les spécialisations qui t'apportent plus de compétences. C'est autre chose que Guild Wars d'un, mais ce n'est pas, absolument pas limité. Hein. Salut Magic Boo! Bienvenue à toi, cher ami. Filmons la mage de Guild Wars 2 de ce soir. Et tout le monde est prêt pour la mage. Hein. Voilà, donc comme te dit Mimi, hein, Stacy Boo, ou non, ce n'est pas très loin, c'est très loin d'être limité. Tu peux refaire ton build quasiment à tout moment. Voilà, Stacy Boo, il n'y a plus de trinité, soigneur tank, DPS, c'est encore autre chose. Hein. Après, tu as des classes qui ont quand même une sensibilité support, heal si tu veux, et d'autres avec plus une sensibilité tank. Mais il n'y a plus cette trinité qu'on a pu avoir sur les MMO, on va dire, classiques. Question normale que le SMS de code m'émasse tant. J'ai pas compris, Night Demon, de quoi tu parles, ma poule. D'accord, j'espère que je vais aimer. Bah, hésite pas, hein, Stacy, à tester Guild Wars 2. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne jouent pas Guild Wars 2 encore de cliquer sur le lien là, sur la page Twitch, vous avez le logo Guild Wars 2 rouge, ce qui vous emmène sur une page pour créer un compte gratuitement et jouer gratuitement dès maintenant. Ou pour ceux qui souhaitent l'acheter, donc acheter Guild Wars 2 HOT et pouvoir vraiment profiter de tout le contenu, de cliquer sur le logo Guild Wars 2 vert qui se trouve sur ma page Twitch, qui vous emmènera sur la page d'achat. Voilà, ça soutient la chaîne et vous achetez Guild Wars 2 sur le site officiel en plus. Quand tu te call, il te donne un SMS avec un code pour te call et il n'arrive pas. Ah, le code de confirmation là. Ah, c'est bizarre. Ah, ta femme te l'a acheté. Bon, bah écoute, au moins comme toi, t'es tranquille. Tu as une femme formidable, mon cher ami. Bon, j'ai juste FK minute, un petit pipi, puis je reviens.
Heureux. Alors, il faut juste retenir un principe sur Guild Wars 2. Le gameplay d'un perso d'une classe change en fonction du build de compétences, mais aussi des armes, et chaque classe peut être autant coup d'épée ou heal. Et tu as un conseil où commencer pour que le jeu soit le plus fun? Oh, pas vraiment, Stacy, si tu commences vraiment par ce qui te plaît, hein, tout simplement. T-Barbare, bienvenue à toi, T-Barbare. Fais comme chez toi. Bienvenue, mets-toi à l'aise. Alors, j'invite à tous ceux qui ne suivent toujours pas la chaîne à le faire, hein, un petit clic sur le cœur en bas à gauche, un petit clic sur follow pour pouvoir suivre la chaîne tranquillement. Vous savez, quand je suis là, vous pouvez passer, discuter, tranquillou, on est là pour le fun, nos stress. Allez, on va essayer de faire un fractal 4, c'est ça, niveau de fractal personnel 4. Oui, alors oui, c'est ça, Stacy, il y a différentes régions suivant ta race, mais elles sont toutes sympas. Après, c'est à toi de voir, hein, si tu préfères jouer un Azura parce que c'est petit et avec des grands yeux, ou un Sylvari parce que tu aimes te déguiser en arbre, c'est toi qui vois. Hein. Tu vois, bah, des races, t'as pas de goût. Bah, des races Adol, race Sylvari et leur style de map. Et Bloody Rum n'a pas de goût non plus, il confirme. Je taquine, hein, les gars. Alors écoutez Mimi qui est quand même la voix de la sagesse, pardon. Hein. Le meilleur gameplay d'un perso est celui qu'on aime jouer. Qu'on se personnalise à son propre goût. Alors. Fractal 4, Fractal 4 All Welcome, ça fait pas rêver. Apparemment. Super, super butin. J'ai l'impression que ma souris est en train de mourir, ou je sais pas si c'est le jeu qui me fait des misères, mais c'est chiant. Ta jalousie ne m'atteint pas. Elle me dit bah des races. Sinon, le plus standard à comprendre pour un débutant en MMO est peut-être la race humaine. Stacy, mais dans la vraie riche, j'ai déjà la race humaine, je préfère changer. Ça, c'est une très bonne réponse. Allez, nous sommes 3. Encore 2 personnes. Tout le monde joue toujours full DPS rush pack dans les coins dans ce jeu. C'est un peu ça, hein, toujours en Guild Wars 2, malheureusement. Allez, deux places pour Fractal 4, pour ceux que ça laisse rêveur. C'est vrai que je répare. Je crois qu'il y a un réparateur juste là. Parfait. Allez, 4 sur 5. Et c'est pas trop incompréhensible au début, le craft et tout, c'est un peu expliqué ou faut tout découvrir seul? Franchement, tu sais, Stacy, faut pas que tu te prennes le chou. Hein. Guild Wars 2, c'est vraiment simple hein, comme jeu, hein, à prendre en main, à comprendre. Faut
tu te concentres un peu au début pour comprendre ce que tu fais, et y a pas de souci, hein. C'est beaucoup moins compliqué qu'un EVE Online ou un Lineage par exemple. Ah oui, comme te dit Mimi, t'as aussi le wiki, etc. Et t'as plein de trucs pour t'aider. Hein. Et une communauté très sympa, regarde la preuve, on est là pour te répondre. Allez, c'est parti pour Fractal 4. 5, 4, 4, 8, 4. Bon, d'accord, 4. Voilà, j'invite tous ceux qui ne suivent pas encore la chaîne Twitch à le faire avec un petit clic sur le cœur en bas à gauche pour suivre la chaîne. Comme ça, vous savez, quand je suis en live, vous passez, vous discutez, on est bien notre copain, on discute jeu, Guild Wars 2, MMO, tout ça, en mode no stress. Alors, c'est quoi déjà les réponses qu'on pense des fractales, hein? En fractal, on a des pièces. Où est-ce qu'on trouve la monnaie dans ce jeu déjà? 165 reliques fractales. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Allez, je sais qu'il y en a qui sont fans de Fractal ici. Qu'est-ce qui peut être intéressant à acheter et à revendre? Contre des reliques de Fractal. C'est quoi le business ici? C'est quoi pour faire des sous dans des fractales? C'est quoi les amis? Dites-moi. Je veux vos guides. Les potions, on s'en fout un peu. Ça, bon, c'est des items élevés, mais c'est avec des reliques immaculées. D'accord, donc on a c'est dans tout ça qu'il va falloir voir, je pense. Salutations. Ah bah tiens, Bloody Rum dans l'équipe qui est là. Bah, c'est parfait. Il s'est incrusté, il a bien fait. Bon allez, on va lancer peut-être, hein. De toute façon, après League of Legends, aucune communauté ne peut paraître plus conne. Ah si, celle de World of Warcraft est pas mal conne hein, aussi, mon cher Stacy. Garde-le pour faire le duo légendaire, en gros, pauvre. Brother Crew, le seul moyen de se faire des tunes en fractal, c'est avec les encollages fractales, sinon je vois pas trop. Allez, Bloody Rum qui joue élémentaliste. Et ils ont même changé l'icône de l'LM. Je suis paumé maintenant dans ce jeu-là. J'ai besoin d'aide. Je me suis dit que le seul moyen de faire des trucs dans le jeu, c'est d'ouvrir les encodages, c'est ça? D'accord. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter les clés qui sont, si j'ai bien regardé, plutôt chères chez le marchand là? Ou est-ce que ça vaut pas le coup d'ouvrir les clés? Une clé vaut 20 PA, mais en général tu reçois plus avec ce qu'il y a dedans. Bah c'est parfait, Brother, tu réponds tout à fait à la question que je viens de poser. Merci pour les infos. On va se tester ça du coup. Et donc quel est l'intérêt de monter ces niveaux de fractal? Je veux dire, à part que ce soit plus dur, est-ce qu'on a des meilleurs loot, vraiment? Est-ce que celui qui fait du fractal 40, 50, il a des loots de dingue, il se fait plein de thunes à chaque run? Dans 8 ans, à peu près, ma mise à jour va être faite, je suis content. Les coffres, tu peux choper des matériaux appelés recyclés. Regarde à l'HV, tu verras les... dans les coffres. D'accord. Alors, petit barbare, qui me demande, Kaza, est-ce que tu as approché Wildstar? Moi, Wildstar, c'est un jeu que j'aime bien. Je dirais, j'aime beaucoup, déjà parce qu'il est très complet. Hein. Il est très complet. Le PvE demande est exigeant. Le jeu en lui-même est très bien, il est super complet quoi, il est énorme. Après moi j'ai un problème, on va dire. J'aime pas le style de combat quoi, j'aime pas ce côté dynamique, ça me dérange. Voilà.
Moi je suis plus pour les MMO classiques avec plein de barres d'action où tu cliques à la souris, tu fais un tab et t'as 30 sorts. Et bienvenue Doctorius bien évidemment sur la chaîne, hein, moi un peu trop tard. Tu sais comme j'ai pas mon ami, mets-toi à l'aise. Viens avec nous discuter MMO, jeu. Doctorius, bien. Et oui donc je disais voilà. Moi les MMO orientés action, ça me gonfle un peu quoi. Alors, Guild Wars 2 c'est pas encore un jeu trop action, c'est un peu un mix entre le MMO standard et le MMO action à la Terra ou à la BNS. Donc ça va encore. Bloody Run, t'es sûr, c'est pas quand Rossidon les élever. Nocto va farmer sur Swator au lieu de mater les streams. Ah non, c'est la maintenance. Ah bah c'est pour ça qu'il est là, Nocto. Collègue de chez Sans Flamme, hein, on rappelle. Et bienvenue, bonjour. S. Flalma. Fais comme chez toi. On est bien, reposé. On est tranquille. On est en mode no stress. On discute. On boit de la bière. C'est important. Ça brille. Wallstar, j'ai joué à la manette. Je sais même pas qu'on pouvait. Que le jeu était aux petites manettes, quoi. C'est incroyable. Je suis au taf encore, nous dit Noctorius. C'est beau ça. Il a juste Minecraft en mode exclusif. C'est beau aussi, c'est un bon terme. Au taf, parce qu'il y avait des PC qui pouvaient faire tourner le monde Minecraft. Même pas. Évidemment, des PC pourris. Bon, on n'a pas été bon sur ce run, les amis. Sur ce escalator là. Bah merde, je dois avoir un petit peu de latence là parce que moi je ne vois pas le prendre. Hein. Je suis de retour. Passe. Ça passe pas, ça passe pas à 3 marches, c'est ridicule. Enfin faire tourner à 2 FPS, mais pour farm du zombie ça suffit. Avec X-Spider, tu fais passer ton clavier souris sur la manette. Ah, pas con toi. Pas con. En même temps, Minecraft, si tu mets les textures au max, il y a moyen de mettre à genoux le dernier PC gamer tellement il est optimisé. Tout à fait. Bon, il nous... des branches là, les lasers, les petits bouchons, Parce que moi et Bloody, on est comme des cons là. Ça veut pas. Ça doit être mon golem qui doit prendre les trucs, je pense, parce que je suis pas dessus moi. Je pense que c'est mon golem qui me promet le chien. Effectivement, ça devait être le golem qui me prenait mes. Dégâts à la place. Parce que là ça passe tout seul. Hein. Allez! C'est bon. Non, ça dort. Putain les gars, merde. Zoom en les. Ah si, c'est bon. Allez, on se réveille les petits bouchons. On va remettre le golem, enlever le sprint. Ah, TeamViewer, hein, pour contrôler son PC à distance, c'est sympa aussi. Je vais même pas faire ça au boulot.
Parce qu'il y a TeamViewer qui est installé, mais c'est pour la société qui fait la maintenance de nos PC et qui s'occupe de la gestion de nos robots qui utilisent TeamViewer pendant que je travaille. Donc, le bordel. Alors, on arrive sur le gros tome. Ma mise à jour n'est pas finie, mais je peux déjà jouer. Vaut mieux que j'attende qu'elle soit entièrement faite ou je peux réellement jouer sans lag. Stacy, si t'as pas encore créé de perso et quoi que tu veux commencer, je pense que tu peux, hein. T'auras la première map de chargée. Prends le temps de créer ton perso, découvrir le jeu tranquillement. Y a pas de raison que ça plante. Après, si tu veux vraiment que ça soit optimal, que t'aies pas de problème de latence et surtout ton PC qui rame parce qu'il installe un truc en même temps, attends, tu seras vraiment tranquille après. Et sache que ce soir, il y a une mise à jour vers 19h, donc le jeu va être done. Il va falloir re-télécharger un truc. Mais au moins, tu arriveras vraiment au bon moment. Bon, il y en a un qui est au téléphone. Il fait chier. Donc on va attendre un peu. Alors, T-Barbarme nous dit « Hey Kaza, est-ce que tu aimes les jeux style Diablo 3 ?» Alors, les hack and slash, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Diablo 3. Alors, c'est un vaste débat. Parce que Diablo 3, j'y ai énormément joué. À ses débuts, du moins. Il y avait encore... alors, c'est mon côté farmer qui ressort. Vous allez encore me faire leur proche. Quand il y avait l'hôtel des ventes, puisque l'hôtel des ventes d'argent réel, j'avais beaucoup farmé des objets puis les vendre sur l'hôtel des ventes d'argent réel, et ça super sympa. Et j'ai réessayé, depuis qu'ils ont enlevé l'hôtel des ventes, et j'ai réessayé là dernièrement pour la saison 5, ça c'était pour le 15 janvier, il me semble. J'arrive pas, franchement, j'ai l'impression de tourner en rond et de faire des mobs pour rien et ça me fait chier. Voilà. Donc du coup ouais j'aime bien mais il me faudrait retrouver un bon hack and slash qui pourrait être intéressant notamment avec des features MMO. J'ai essayé Devilian mais c'est une vraie daube. Malheureusement hein, je n'aime pas du tout. Pourquoi pas voir un peu ce que peut donner Lost Ark par exemple 2016-2017. Stacy, le truc c'est que tu auras à patienter si tu veux aussi un map et je n'ai pas de problème. Ok, je vais attendre un peu, je suis patient. Oui, putain, si tu restes ici, t'es en bonne compagnie avec nous, tu peux parler du jeu. Faut te faire patienter. Quoique oui, si tu prends ton temps à créer un perso, ça le fait. Les matchs sur Guild Wars 2 sont transparentes, il n'y a pas de down server, ils ont bien fait le taf. Même à un moment où il te dit le jeu va redémarrer, hein. Au fou. Bon, je fais le cas. Bye tout le monde. Salut Bonera, à la prochaine. Concentre-toi l'ami. Bisous partout. Sois sage. Mouve-toi bien, travaille bien, je sais pas où t'en es, mais... avec le soutien de l'équipe. Miaou, miaou, miaou. Avec le gros Tom. Le golem méchant. Merde, je suis tombé. Je me suis un petit peu endormi sur le chat du coup. J'ai besoin d'aide. Le chat du jeu, le son du jeu était légèrement trop fort, non ? On peut baisser un peu. Hein. On verra comme ça ce que ça donne. Ça y est, ils vont commencer le boss sans moi, ça va énerver ça. Cool.
Alors, là tu peux sauter et mourir. Alors, Guild Wars 2, tu verras, c'est pas que des plateformes, hein, loin de là, mais tu as ce qu'on appelle les puzzle jumps qui sont tout une... Comment dire. Un jeu dans le jeu, t'as plein d'endroits sur la carte à découvrir par toi-même. Vraiment, en plein monde ouvert, c'est sympa pour ceux qui aiment découvrir le jeu et passer leur temps à essayer de trouver les secrets du jeu. Avec des plateformes, voilà, des jeux de plateforme à faire si t'as un peu dextérité et découvrir des endroits très sympas et bien sûr des trucs en celui. Je trouve ça assez intéressant en ce genre de jeu. Et ça passe au streamer, il répond en image. Mais oui, je n'ai pas fait exprès, mais oui, tout à fait ça. Professionnalisme du tout, hein. Allez, il est boss aussi. Ce fut rapide. J'ai looté un téléphone AFK une minute, les amis. À moi, rien qu'à moi. Oui, excusez-moi, de retour. C'était Orange au téléphone pour ma résiliation de mon internet. Il fallait que je refasse mes contrats téléphoniques et tout. Alors, Fractal 5. Du coup, il y a plein de messages dans le chat que j'ai un peu raté.
Bah surtout parce que mon chat est sur mon téléphone. Hein. J'ai pas installé double écran, ça me fait chier. Donc n'hésitez pas à écrire. Quoique, attendez. Mon chat ne fonctionne pas sur mon téléphone non plus. Je vais quitter Twitch et le relancer sur le téléphone, du moins. Laissez-moi une petite minute, bande d'affreux. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire des saloperies sur le chat pour voir si j'arrive à les lire? Normalement, oui. Des saloperies, parfait. Merci les amis. Bonjour et bienvenue, Rosanne 9. Je t'ai pas vu tout à l'heure, si je ne m'abuse. Fais comme chez toi, l'ami, mets-toi à l'aise. Bon, on a quand même looté un exo. Il doit pas avoir vouloir grand chose. Je viens d'arriver, nous dit Rosanne. Eh ben bienvenue mon pote. Vas-y, je t'encule chiennasse avec ma. Ça te va comme saloperie? Oh Noctorius. En plus moi comme un abruti je l'ai dit, en plus. Ah, je suis pas fin non plus. Alors. Merci. Plus on est de fouf que moyen de riz. Mon Dieu. Ah, vous êtes en forme, c'est beau à voir. Ah merde, je peux même pas le vendre mon truc là. Ah, lié au compte, lié à l'utilisation. Bah, où est-ce que j'ai chopé ça? Quelqu'un peut m'expliquer depuis quand on loot des exotiques qui sont liés au compte directement? What the fuck? Ma pote, c'est Rossan, avec un soleil, qui est sur Twitter. Ah. C'est mieux alors, si c'est ma. Les autres de fractales sont liés au compte. Recycle les prix pour avoir l'insigne. Putain, c'est l'arnaque. Ouais, bah non, on va le recycler. À moi, rien On qu'à a eu moi. l'insigne, c'est bon ça. Allez, combien qu'elle coûte celle-là? 1 gold 45, bon, c'est pas trop mal. On va mettre 1,72 et on va essayer de retrouver du monde pour un fractal niveau 5. Fractal des brumes 10, 12. C'est quoi ça? 2, 10, 12, 21, 7, 37. Pourquoi? Pourquoi? 5, 6. Ah, 5, 6, c'est bien, mais moi il n'y avait que 5. Et bon, on va lancer un nous-mêmes. Hop là, il n'y a plus qu'à attendre que les gens arrivent. Partons pour le fractal, nous dit Bloody Rum. Et bah, ça sera ça de prix. Nous sommes donc 3. Voilà, je retourne à l'écriture de mon post sur le stream chez Sans Flamme. Ça marche, Noctorius, à la prochaine, au plaisir. Bisous partout. Allez, 405 dans le groupe. Et à prochainement, bah, en live pour les Sans Flamme, du coup. Je sais pas quand est-ce que tu restreams, mais je passerai te voir. Allez, nous sommes 5 déjà, c'est bien, c'est parti. Brother Crew, tu regardes le prix de l'insigne LHB. Et si plus de 1 PO, recyclage du lion noir. Insigne plus boule d'ecto, GG à toi. Ah, j'étais chanceux alors. Ok, je suis tout neuf, je suis répa. Y'a plus qu'à. Par contre, ça loupe pas les jaunes là. C'est quoi cette histoire?
Allez, on va lancer tranquille. Moi, je retourne bosser. Bon après-midi et vivement le Taplan Antiris. Ça marche, Rossan. À la prochaine, mon ami Yeux. Gros bisous, bonne fin de boulot. Et puis, à très bientôt, hein, au plaisir. Alors, les petits bouchons, qu'est-ce que c'est que ce fractal? Fractal d'aveugle neige, ça me dit quelque chose, je sais que c'est très chiant. Donc, si quelqu'un peut me rappeler comment ça marche, je sais qu'on a froid, donc il faut faire des trucs, il faut se réchauffer. Il y a déjà quelqu'un qui a quitté le groupe, c'est la merde. Donc, on va relancer fractal des brumes, 1-1 pour me voir. Allez hop, j'ai plus qu'à attendre que les gens viennent. Hello Eristi, bienvenue ma poule. Encore. Voilà, il y a que les meilleurs qui viennent, hein, cet après-midi, c'est incroyable. Les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Et oui, moi écoute, moi ça va, les autres ont l'air aussi d'avoir la forme, comme tu peux le constater. Pas mal de visites en tout genre, hein, des gens qui partent, qui reviennent, qui arrivent. Très sympa ce petit stream encore pour discuter de tout et de rien. Je peux compter sur vous à chaque fois, avec plaisir. Allez, on a Mark Richter qui nous a rejoint. Fractal. Fractal 5. Les plus belges. Les plus belges une fois quoi. Réussi, j'ai vu tes photos sur Facebook. Je trouve magnifique avec ton petit masque et tout. Le matin quand j'ai vu ta photo, j'ai rigolé tout seul comme un con. T'as l'air tellement blasé avec ton masque sur la gueule, c'était juste excellent. Ikyo, salut, bienvenue Ikyo, plaisir de te voir. Allo Kaz, ça fait plaisir de pouvoir t'entendre en jouant à BNS. Mais c'est pas BNS. Ah non, c'est toi qui joues à BNS et que tu m'écoutes en même temps. D'accord, je comprends. Bah écoute, un plaisir Ikyo, n'hésite pas à suivre la chaîne. Je sais pas si tu suis déjà la chaîne, ça me dit rien en tout cas. Le petit cœur, hein, pour ceux qui suivent pas la chaîne. Le petit cœur là en bas à gauche. Hein. Comme ça vous savez, quand je suis en ligne, vous pouvez passer, discuter, on est bien, on est posé, on est tranquille. Traducteur responsable et bon s'entend. C'était une des fêtes les plus moments festifs, vous dire Resti. Alors, attention, question intéressante, est-ce que vous allez essayer The Division? Alors moi oui, bien évidemment, c'est un jeu qui me tente beaucoup. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Donc est-ce que je vais le préco rien pour faire 30 jours de backup de bêta? Peut-être pas quand même. Je préfère le préco sur Instant Gaming, tu n'as pas tout de suite ta clé bêta. Mais au moins tu payes 30 balles au lieu de 60. Voilà, donc, et puis en plus je vous invite donc plus à aller faire un tour sur Instant Gaming si vous allez acheter vos jeux, hein, c'est là que c'est mon cher ouais. Vous avez un lien juste là. 50% de promo, enfin de réduction sur un jeu qui n'est pas encore sorti, c'est déjà bien. Bon, il y en a du monde ici. Et qu'est-ce qu'il fout Richter? Il est en ligne, on va le virer. On va le virer et on va inviter quelqu'un. Hop là. Allez, quelqu'un nous a rejoint, c'est bon, il est là. Quelqu'un de réactif. On va revoir. Alors les amis, qu'est-ce que je vous propose? Moi je vous propose, on continue ce fractal là. Qu'est-ce qu'on se fait ensuite? Est-ce qu'on fait une petite pause de 5 minutes et on lance un autre jeu ou pas? Moi je me tape pour The Division, je me tape.
Nocturne nous dit, je me tâte pour The Division, attendre un peu, voir si vraiment valable, marre des jeux chers et qui sortent une DLC payante 15 jours après. C'est vrai. Tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas Nocto si toi tu joues à BNS, je m'en rappelle plus. Enfin moi BNS j'ai joué une semaine, hein, j'ai arrêté parce que ça finalement très chiant. Le jeu est sympa hein, pour changer un peu d'univers et se détendre un peu. Mais sinon, bon voilà quoi. C'est un peu toujours la même chose tout le temps. Ça serait quoi l'autre jeu? Voilà, donc tout le monde est d'accord pour The Division, Nocturus ne joue pas à BNS. Bah l'autre jeu, je peux vous proposer qu'on se fasse un petit perso sur Lineage 2 par exemple. Voilà. BNS, là, je l'attendais il y a 5 ans. Donc, c'est vrai qu'il est depuis 2012 il me semble Corée. Ah, je suis perdu! Putain. Bon. Je sais pas où je suis. Test d'endurance. Fais chier ce truc. Allez, on a fumé la source élémentaire, suivez les traces et recherchez des survivants. Ah, ça je prends Lineage. Alors, Eresti prend Lineage. Maintenant, je lui chie dessus car c'est du foutage de gueule pour ma part de nous sortir un jeu 5 ans après avec des erreurs de traduction, etc. Au moins c'est clair et net, Nocto. J'aime cette façon d'être franc. Mimi, ah Lineage 2, retour aux sources, j'approuve. Enfin, je suis très dur avec certains jeux vidéo. Bien compris, Nocto, y'a pas de soucis. Je reste sur BNS car y'a plus rien en MMO, c'est ouf. Ouais, je peux comprendre, hein. Tout à fait. Moi BNS, je l'ai lancé. J'avais même payé un pack là. Parce que ça tombait très bien avec mes jours de repos. C'est pas mal, mais. Je trouve que ça fait des ordres quand même, parce que bon, comme je disais tout à l'heure en début de stream, BNS c'est un jeu free to play, tu le sens. Hein. Quand tu fais un donjon, tu loupes pas les armes directement, tu loupes des coffres. Pour ouvrir les coffres, il faut des clés. Donc les clés, il faut soit les acheter ou faut les trouver quoi. Une fois que tu as ouvert ton coffre, bah, tu as des armes, mais elles sont pas identifiées, il faut les identifier avec un parchemin. Donc pareil, les parchemins, il faut les acheter, il faut les trouver. Tout ça, bon, pour faire payer quoi, tout simplement. Bien que tu peux avoir des parchemins, etc. sans passer par la boutique, mais c'est plus facile aussi en passant par la boutique. Et c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est chiant. Tu peux vendre que 10 objets par jour à l'hôtel des ventes, donc t'es vraiment... Tu te retrouves au bout de 3 heures de jeu avec ton sac plein de merde, invendable. Enfin, c'est que ça. Mais sinon, le jeu est sympa. Est sympa, il serait hein, vraiment gratuit, tranquille, pépère, c'est bien. Mais la grande force de BNS, c'est comme son PVP, je crois, son mode duel, c'est vraiment sympa. Voilà. Après, le reste, je suis circonspect, comme on dit. Freemium. Nightbot, Nocturus, you can beat the world, sing baby. Excuse-moi, mon Nightbot, ton Nightbot est en train de te... anti-spam, je crois que je rêve de ce truc là. Voilà, une grande discussion sur BNS, il reste un bon jeu quand même. Hein. Donc voilà, Lineage 2, pourquoi pas tout à l'heure. Quelle heure il est là? Bientôt 16h, mais écoutez, on finit sur Fractal, on fait une petite pause de 5 minutes et on passe sur BNS. Sur Lineage. Sachez que j'ai quoi, joué 2 heures pour voir à quoi ça ressemble et je filme avec. Bien sûr, je suis mauvais, mais bon, voilà. Votre fait.
et que le dieu des loups soit avec nous. Allez hop, on l'a eu. Super, super butin. D'après les statistiques, la prochaine fractale devrait être plus... Fractale terminée les amis, on va aller vider les coffres tranquillement. J'ai cassé l'ambiance avec mon avis sur BNS je crois. Mais non, t'inquiète pas. C'est qu'on est tous d'accord. Allez, allons vider les coffres. Les sacs, pardon. En tout cas, pour ceux qui ne suivent pas encore la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit follow, hein. Clic gauche en bas à gauche. Clic cœur, pardon, en bas à gauche. Noctorius, allez les gens, c'est la fête dans 3 jours le week-end. J'aime cet esprit. Il y a le Facebook, il y a le Twitter, il y a tout ce qu'il faut. La YouTube pour ceux qui ne connaissent pas encore. Prochaine vidéo demain. Super, super. Alors qu'est-ce qu'on a de beau pour grand chose, hein. Cherchez et vous trouverez. Même pas grand chose du tout. J'aimerais bien faire un petit run forge, donc on va s'acheter quelques gold à l'HV pour les foutre à la forge. Au cas où. On va regarder les boîtes là. Alors, Ikyo, non, chacun son avis, mais j'ai tellement scellé Guild Wars 2 qu'il me fallait du changement. Ce qui est tout à fait compréhensible, mon ami. On est bien d'accord, Blade and Boobs, c'est peut-être joli mais beaucoup trop coréen, surtout sur le farm. Les réponses se cachent tout autour de vous. Allez, on va s'acheter quelques espadons, tiens. Espadons gold. On va essayer de les revendre, les foutre à la forge. Faire quelques runs et puis voilà. Quelques try forge mystique. Alors, recherche. Arme, espadon. Un jaune. Niveau 80. Hey, salut Havnest, bienvenue mon ami. Fais comme chez toi. Alors, le stream fait une petite pause dans 5 minutes, mon cher Havnest. On change de jeu dans 5 minutes, donc ne sois pas surpris. Alors, 60 balles. On prend 4 de chaque. Allez, c'est 10 gold de foutu en l'air. Rien qu'à moi. Qu'est-ce qu'on fait les copains pour les 10 gold?
Est-ce qu'on essaye de les foutre à la forge mystique et de sortir un précu? Ce qui me paraît très très peu probable, mais bon, pourquoi pas. Ou est-ce qu'on les daise pour essayer de récupérer plus d'ectos? Vous avez 30 secondes pour répondre. Je pourrais semer un centaure. Ouais, dans les jeux occidentaux, t'as aussi Tezo qui est pas mal en buy to play. Bon allez, c'est parti pour la forge. Hein. On va essayer. Un chac. Allez hop. On a 4 try, voire 5. C'est parti. 10 gold. On va essayer de récupérer plus. Ça commence. Mal. Une lame des bons. Ouais, faut voir comment ça se vend. On va regarder ça tout de suite. $4,22, c'est pas trop dégueulasse. On peut espérer autre chose. Allez, on continue. De la merde. Ah, une autre. Ah oui, mais c'est une Valkyrie, une épée de perles. Ah, ça craint ça. Ça vaut rien ça. 3 PO 2. Donc on est à 4, 5, 6, 7. 7 PO 25, disons, avec. Pas en vente directe, mais en offre de vente, ça peut faire presque les 10, on va voir. Enfin, faire deux exos quand même, c'est pas trop dégueulasse. Tiens, j'ai un petit focus qui traîne, est-ce que je peux pas le vendre? Il faut de la forge. J'ai testé tes os, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop, je sais pas. J'ai du mal à décrocher des Elder Scrolls solo. Je trouve les combats très mous. Et puis bienvenue à Algorn 14, bien évidemment. Fais comme chez toi, l'ami. Mets-toi à l'aise. Bon, j'ai pas assez. On va essayer de retrouver un quatrième item. Jaune. Bah alors. Je pourrais semer un centaure. Tu le prends ton. Voilà. Une arme la moins chère. Et une hache. Je vois que Tezo vous fait parler en tout cas, dis donc. Ça ne vous laisse pas insensible. Oui, Bloody Rum. Tezo, j'ai du mal avec le côté communautaire, c'est mal géré. Bah, c'est pas l'interface PC classique où on peut chatter, voir sa guilde facilement, c'est un peu mal branlé, effectivement. Après, comme je disais, Tezo, c'est plus un RPG avec du monde autour, plus qu'un MMO. Après, le jeu, moi, je trouve qu'il reste très bien. Nous devons tous combattre. Allez, dernier try pour de vrai.
Oh. Ah, bah voilà. X710 Alpha. Alors, est-ce que ça se vend, ça? Non, ça se vend pas très bien, mais bon, c'est pas grave. On va regarder quand même, avant de les vendre, faire un aperçu. Alors ça, c'est quoi? C'est un focus? Bon, c'est plutôt rigolo. Puissance, précision, dégâts paralité, ouais, d'accord. Focus exo, lame des bons. Puissance, précision, férocité. Ah, bah oui, bah, c'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher que les autres. Voyons un petit peu le skin. Il reste très classique tout de même. Ouais, il est pas mal. Et enfin, l'autre exo, l'épée large de PL Varkilien. Bon, ça, c'est très moche. Puissance, vita, féro. Allez, hop, on vend ça, les amis. Fin du stream dans une minute. Pause de 5-10 minutes pour mettre en place Lineage 2. Voilà, on se retrouve sur Lineage 2 en live pour ceux qui veulent continuer à suivre les aventures, à discuter. Il n'y a pas de souci. Revenez dans 10 minutes. Alors, petit rappel pour ceux qui ne suivent pas encore la chaîne, c'est le moment de le faire. Le petit cœur en bas à gauche pour follow la chaîne Twitch. Il y a aussi la chaîne YouTube. Vous avez Twitter, Facebook. La possibilité de faire des dons aussi par PayPal, c'est facile, c'est rapide, ça prend pas de temps. Le partenaire de la chaîne Instant Gaming, vous pouvez trouver vos jeux avec des grosses réductions. Les amis, je vous dis à tout de suite. Tout le monde. GG en tout cas pour tes perfs. Et oui, et puis à tout à l'heure, à tout de suite, dans 10 minutes pour Lineage 2. Voilà, en tout cas, voilà, on a monté un petit peu les fractales, donc la prochaine fois qu'on sera du Guild Wars 2, on passera, voilà, je suis passé du niveau 3 à 5, c'est déjà un bon début, on passera du 5 à un autre niveau, enfin non, je suis à 6 là du coup maintenant, vu qu'on a fini le 5, bon bref, voilà, on a bien avancé, allez, à tout de suite les gars, et les filles aussi, pourquoi pas. Les étoiles vous guident.